On va y jouer. Hein. Dis-là. Bon, tu sais quoi, tu dégages. C'est bon. Yasa Il m'a aperçu. Ah, mais je peux plus mettre quoi. Je me suis pris une entourloupe. Je me suis pris une entourloupe pour ne plus dégager. Mais turbo dans ta gueule. Ah, d'accord, ça turbote le jeu, mais ça turbote. Ouais, bah, c'est bien ce que je me doutais. J'ai fait planter la bête. J'ai fait planter la bête parce que le turbo turbote juste l'image, mais elle turbote pas le son. Donc j'ai rendu fou le jeu. Donc on redémarre. C'est le prochain R-Type, la prochain Gradus. C'est un Gradus en low cost, évidemment. Gradus 2 low cost. C'est parti. Et c'est là que c'est du méga lourd. Non, et tu vas pas me dire. Tu vas pas me dire qu'ils ont refoutu quand même l'opening. Le Alès low cost. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'Alès sur Sharp. Enfin, du moins, dans la lettre A, il n'y avait pas d'Alès. Non, ils l'ont remis. Là, on est obligé de se le taper parce que si je fais le turbo, ça va cracher. Allez vous faire un café, les gars, parce que là, vous avez le temps, je crois. Parce que je veux voir, je m'engage à voir ce jeu-là. Non, j'ai relancé le jeu. Je suis pas assez con pour relancer le jeu, j'ai fait Game Start. Non, tout à l'heure, là, dans une petite demi-heure, il y aura une petite pause hein, quand même. Hein. C'est normal, ça fait déjà 2 heures qu'on est dessus là. Il y aura la petite pause, même pas hein, de 2 minutes comme la dernière fois. Hein. Moi, je sais pas. Juste le temps d'aller faire un petit pipi dans un café. Écoute, enfin, deal. Je vais refaire un redémarrage. Mais si je lance le jeu et que ça me lance l'opening alors que j'ai fait Game Start, je te banne. Est-ce qu'il y aura un ban, le premier ban de l'histoire du stream de KSM? Oui, mais ça, je peux rien. Monsieur Pneumoni, ça c'est le problème. C'est que je peux pas régler ça là parce que chaque jeu a le son qui est plus ou moins fort. Donc là, ce jeu, le son est vachement fort, c'est vrai. Ah, j'ai peut-être fait. Ah, peut-être que je vais me. Peut-être que je ferme ma gueule. Là, je suis sur game, on est d'accord. Hein? Y a pas de disquette, tu te fous de ma gueule, y a pas de disquette. Qu'est-ce qui me. T'es tellement fini à la piste ce jeu qu'il se lance même pas run. Run. What the fuck? Ça s'appelle comment? Battle Unit. Yes. Attends, on va faire ça battle. On va faire ça manuellement pour voir. What the fuck? Non, alors je suis déçu. Non, c'est sérieux, je suis déçu. Je suis déçu. Ah, je suis trop déçu, quoi. Ah non, je suis déçu. On va devoir lancer Call of Duty, là. Persévérant, j'ai gage de réussite, hein, donc on recommence encore une fois. Non mais là il parlait pas de déprotéger disquette là. Il avait pas marqué shield disquette machin driver. C'est juste que je sais pas. Enfin peut-être que si, hein, je sais pas, hein. Peut-être que si. Mais... Mais je pense qu'on perd pas grand chose. Vu la gueule du premier. Oui, bah oui. Attends, qu'est-ce qu'il dit disque? Non, il dit juste qu'il manque le disque. Que le disque n'est pas trouvable. Donc c'est soit
Je pense plutôt que c'est un problème d'émulation là que de protège de protection de disque. Non, c'est bon, Tsunaki, t'es pas banni. Je m'excuse. C'est moi, j'étais dans l'erreur. Bon, bah, Battle Unit 2, bah, c'est dans ton cul. Hein. On va jouer à Bibine Mahjong. Ah, bah voilà! Bibine Mahjong Peach Angel! Attention, ça, c'est le Mahjong. Mahjong Entai. Donc, on prépare la censure. Hein. On va préparer la censure parce que là. Je le sens mal. Hop, hop! Oh là là! Oh là 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 là! Oh là là, j'ai. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je tente le diable quand même? Allez, on est des adultes, non? On va mettre en free game. Free game. Bon, je prépare quand même on va prendre qui? On va prendre Bulma. On va prendre Bulma. Ah, mais attends, ah, c'est les trois joueurs. Menu, non, on va jouer, vas-y. Le problème, c'est que on ne sait pas jouer au Mahjong. Donc on fait le hasard. Parce que je me pose, est-ce que c'est pas un trip Mahjong, comme le trip poker mais en version Mahjong. Non, ça ira, là, ça ira. Là, il n'y a pas de panique, ils mettent juste des petites filles, là, c'est bon. J'ai déjà fait un tri, comme dit, j'ai déjà fait un tri parce qu'il y a des. J'étais obligé. J'étais obligé parce qu'il y a des trucs, c'est vraiment. C'est juste pas possible, quoi. Bon, bah ouais, bon. Fallait bien qu'on tombe sur un jeu comme ça à un moment ou un autre. Par contre, là, je suis pas apte à avancer dans ces merdes. Donc ça dégage. Peach Angel, là. Battle Unit, ça dégage aussi, hein. On va faire ça, ça. Ah bah voilà, là on arrive dans du sympathique. Bishoshu Senshi Moon Fighter. Donc ça doit être un genre de Sailor Moon, ça. Fait par Sprite. Qui ne se connaît pas Sprite? Éditeur de talent. C'est du strip Mahjong, ouais. Et à ce temps, le Mahjong, je sais pas jouer. Un peu le shogi, j'avais un petit peu appris, mais c'est vachement de la merde aussi. Ah bah voilà, là on se retrouve. Des écolières en jupette. Mode, Game Start, mode un peu. Oh, allez dans les options. Donc apparemment, c'est un Sailor Moon low cost. Hein. Ça doit être. Ça a l'air d'être pas très. Très légal tout ça. M level 3, color select. Oh, on peut choisir la couleur carrément. T'es sérieux? Mais la classique, elle est bleue, non, normalement. Mais comme elle est vénère, quoi. Stage select 1, turbo mode. Ah bah ouais, on va mettre en turbo, tu crois qu'on est qui, non? Turbo, exit. Donc, on va mettre Game Start. Ah, mais c'est deux players, si je mets en Game Start, faut mettre mode 1. On va mettre un P, VS, CP. C'est très bien, ça. Pas. Il faut quand même faire Game Start. Bon, allez, Game Start, c'est parti. Jeu de baston. Salut Codéine, je t'avais point aperçu. Ah bah voilà, là on se retrouve. Bon, ça a l'air pourri quoi. Ça vaut pas le Baba Street Fighter d'avant. C'était du jeu vidéo. Oh là, comment t'as fait les petites étoiles là? Par contre, ils ont la mauvaise habitude de nous filer toujours les deux mêmes persos là pour toujours. C'est comme un ado. Pas du tout. Ah, c'est peut-être ma Sony. C'est de la merde! Comment tu fais tes petites étoiles à la con là? Baba Street Fighter, c'était la classe absolue. Faudra regarder la rediff, hein, le début. J'arrive pas à sortir.
un peu cadran spécial français. Oh, ah t'es sérieux, t'as double paravent là. Dans la Street Fighter, là, tu peux faire deux fois. C'est de la merde, ce jeu c'est de la merde. Je fais un autre perso. D'ailleurs. Ah bah voilà. Ah il faut perdre pour pouvoir choisir c'est quoi ça, c'est l'heure Vénus. Mercury. Ah non, c'est Mercury, ok. Putain, pourquoi j'ai pas d'attaque spéciale? C'est de la merde. Pousse, stop, pousse. Genre quand je dis pousse, le jeu il plante. Oui bah codéine, c'est ce qui a marqué dans codéine. Non mais c'est ça, les gens sont pas drogués, ils savent pas ce que c'est la codéine. Bah écoutez, on va mettre... Ah mais attention! Parce que j'ai la version V2.11, c'est pour ça peut-être que c'est de la merde. Ah, ça dégage. Voilà, là, mais... C'est conçu par un logiciel distribué par Sprite. Ah ok, genre c'est comme RPG Maker, mais en version... C'est Street Fighter Maker, quoi. Makers. D'accord. C'est quoi avec le header H? Ok, ça part tout seul. Ah, il a l'air mieux fait, non? Ou c'est moi? Ça signifie quoi le header H, le monsieur Sandar? C'est le même jeu, hein. C'est le même jeu. Peut-être en version... Ouais, c'est des Mugen quoi. Ouais, c'est le serveur BS Fighting Maker. Ouais, ouais, parce que ouais, ça me semble pas. Parce que je suis tombé aussi sur des jeux de baston avec les meufs, elles étaient à poil quoi. Donc, je me suis dit, c'est pas trop légit. Ouais. Ça, on est vite. Hein. Ouais, un petit morceau de téton de temps en temps, ça nous fera pas de mal. Mais après, quand ça devient un petit peu plus que le téton, ça ne va plus. Donc, tout ce qui a marqué Sprite, je pense que c'est des jeux amateurs. Okay. Ça m'a défoncé. Ah d'accord, ouais. Ah mais ça c'est très bien que tu me le dises. Les H, ça veut dire hack en fait. Je regarde même plus, j'aurais le chat, j'aurais pas pu le jeter, donc c'est de la merde. Ok, donc très bien que tu me le dises, je ferai plus attention. Là, je pense pas avoir fait de les avoir dégagés, hein, parce que j'ai quand même tout vérifié. Mais je ferai attention. Donc oui, parce qu'il peut avoir du hack qui porte le même nom. Et que... Ouais. Ok, merci bien. Donc ça, on va faire attention. Parce que aussi, avec le header A... Je sais pas ce que ça veut dire non plus. Ah, j'ai l'impression qu'il faut le lancer manuellement. Le jeu. Quand il y a un A. Ah ouais, à plus Aizen, bonne soirée. Hein. À la prochaine. C'était pas très palpitant, je sais, mais... Ça sera peut-être mieux la prochaine fois. Allez, on arrive, maintenant on va arriver dans le lourd là, on arrive, c'est l'heure mon gars. C'est de la merde, on peut quitter là, parce que là on s'emmerde. Ah les gens ils partent. Ils disent que c'est sympa parce qu'ils sont pollués, mais en fait, on va dire c'est de la merde, hein, pas de soucis. Donc là c'était... Non, donc ça dégage. Ah, il y en a encore un. Il y a encore un, c'est l'heure mon, mais ça a l'air officiel. Ça a l'air officiel.
Bishoujo Senshu, c'est leur 5 final. Putain, mais il y en a. Oh là là. Oh là là, ce qui vient, ça fait peur. Deux disquettes. Attends, deux disquettes, ça peut être que bon, ça. C'est pas vrai. Deux disquettes, ça peut être que bon, ça. C'est le Moon 5 ou V, je crois que c'est V. Hein. Version finale. Allez, c'est sympa, Aizen. Allez, à plus. Bonne soirée à toi. À la prochaine. Ça m'a fait plaisir de te voir. Ah, ça a l'air plus légit, ça, déjà. Story mode, avec un story mode. Moi, on va peut-être pas aller dans le story mode. Hein, parce que ça va parler pendant 2h30. AB, de boutons. Computer hard, peut-être. Faut que cache-moi. Ah, bah, t'as pas le choix. C'est easy ou hard, tu fermes ta gueule, quoi. Là, ça me sort légit parce que là, t'as la vraie musique de Sailor Moon. Tu vois, US mode. Ah bah, si tu ranges tout correctement, en plus, comme tu m'avais parlé, tu vois qu'on foutre les covers et tout. Bah, niqué. Si tu fais ça, respect. Putain, non. Ah ouais, bah, moi, je suis ma chérie, c'est Mercury, ma chérie. Vas-y, c'est bon, c'est Mercury. Ah non, dis-moi que ça joue à deux niveaux. Sérieux? C'est le chargement? Non, ça charge pas. Ah, parce que j'ai mis versus et versus c'est K2. C'est ça? Bon, ben, on va redémarrer parce que je crois qu'il faut mettre mode histoire. Hein. On va mettre le story mode alors. C'est encore du Sailor Moon après, on va faire un autre truc hein, avant de repasser à Sailor Moon, parce que ça fait beaucoup de Sailor Moon à la fois. Hein. Ça charge, ça, pas de panique, ça charge. On peut pas être euphorique là, avec tous ces jeux de fous là. Ah voilà, là, putain, ça, ça a du sens. Là. Ah, je me fais poutrer par la gamine. Quoi. Ah bah ouais, je me retrouve là avec les AD. Bon, je sais pas si c'est professionnel ça, en tout cas, c'était pas du sprite, hein, c'était du DK software. De toute façon, un jeu de baston avec deux boutons, c'est toujours pourri ça. Ah bah poutré quoi, avec ce petit cœur à la con là. De fond avec Paint quoi. Avec le pinceau de Paint là. Oh t'es sérieux les petites boules? Bon j'ai fait ça. Ah bah, en tout cas les jeux de baston c'est vraiment c'est un peu de la merde. Hein. Ça vaut pas le meilleur jeu de baston qu'on a vu quand même. C'était putain, l'autre fois le jeu de... Comment ça s'appelait à nouveau celui-là? Access Hit je crois que c'était. Hein. Ah ou pas? Ouais moi je confonds plus les jeux maintenant. C'était peut-être pas ça en fait. On va arrêter les jeux de baston parce que ça me gonfle. En plus, il n'y a que eu ça dans cette session, c'était les jeux de baston pour eux. Ouais. La tête du chat, bah, c'est le chat de Sailor Moon. Il y a un Sailor Moon dans un chat là, qui a une lune sur la gueule. Je sais plus comment il s'appelle le chat. Hein. Je suis pas un fanboy de Sailor Moon. Non, je voulais pas faire continue, je voulais faire un. Enfin, un autre perso quoi. Oui, là, il faut être patient, les gens. On commence doucement avec des jeux pourris. Après, là, quand on arrive au milieu, là, ça va être du lourd. Là, il va y avoir des.
des Castlevania, des clones de Castlevania secrets et tout là. Ça va vous calmer. Et moi je te fais que des balayettes. Genre je sais même pas comment j'ai fait la balayette quoi. Et bien, soit je suis super mauvais, soit le jeu il est trop fort quoi. Je te fais que des balayettes. Et c'est vrai que la tête de chat, qu'est-ce qu'elle vient foutre ici là? C'est la petite qui a son chat à la con. Bon, on va quitter Sailor Moon parce que les gens ils partent. Hein. Les gens partent, on enlève Sailor Moon. Et hop, c'est encore du Sailor Moon, il y en a combien des Sailor Moon? On va peut-être quitter, j'ai encore un. Ah, voilà, là c'est intéressant. Bishoujo Skirt Mekuri Shinkai Sujaku, dont Skirt, c'est la jupette là. C'est une jupe quoi en fait, en anglais. Donc ça c'est intéressant. Et j'ai 3 volumes, attention, 3 volumes. Mais j'ai un petit peu peur quand même. Mettez les enfants au lit. Merde, je me suis trompé. Je me suis trompé. Oh là là! Oh là 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 là! Oh là là, je sais pas. Oh 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 là là, qu'est-ce qui se passe? C'est joué à la souris ça? Merde. Ouais, je sais pas, je dois censurer ça là ou pas? Attends, souris, non, c'est pas la souris, c'est le clavier peut-être. Ah! C'est ça? Genre! Tu es sérieux? Je veux la rousse. C'est ça? Quoi? Quoi? Ah ouais putain, et si je peux... Ah, je pète mon clavier hein. T'es sérieux? Putain, ça va faire cher en clavier pour avoir des petites culottes quand même. Mais vas-y, mais montre! Attends, essaye une autre. Celle-là, elle a l'air un petit peu... pas d'accord quoi. Qui est pour être d'accord? On va prendre la blonde, les blondes sont plus faciles hein. What? What? Ah oui, mais là c'est le gameplay aux petits oignons là. Hein. Pour la touche. Alors, on va faire la touche bleue. Oui, 3 volumes, hein, on va se faire les 3 évidemment. Hein. Et mais c'est quoi ce jeu de l'entourloupe? Si on pète son clavier et qu'on voit même pas une petite culotte, c'est Anguille sous roche là. Hein. Sérieux, on va prendre celle-là aux cheveux verts là. Ou il faut peut-être faire la track and field, appuyer sur deux boutons en même temps. On va essayer. Non. Le Z, le X, non. Bah allez là, tu me dégoûtes. Putain, fais ta fille facile là! On continue, je lâche pas l'affaire là. Là, j'ai trouvé mon jeu là. Peut-être. Ah oui, quand elle essaye de baisser de nouveau, tu fais genre. Ah non, c'est pas moi. Ok, putain, vous connaissez, hein, vous connaisseurs. Hein. Je prends laquelle j'ai. Une petite couette. Hein. Peut-être là. Là, celle-là avec les petites couettes. Clac. Ah, stop! Ah non, ah, genre, ah oui, genre elle te le pique! Eh ben, standard le connaisseur quoi. Petit coquin, tu nous fais des cachotteries hein. Effectivement, il fallait rester appuyé. Attends, on va refaire. Ah non. Ah non, mais je crois que t'as pas besoin de bourrer en fait. Faut pas maintenir, mais t'as pas besoin de bourrer comme je bourre en fait. Ouais, ouais, ouais d'accord, ok, y a un timing à avoir en fait. Hein. Ouais, d'accord, y a un timing à avoir. Mais c'est pas clair quand même. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah j'ai fait quitter. Non mais quitte pas hein. Ça on quitte pas ça. Ça se spoil.
Ça se spoil. Non, mais c'est sorti sur PC 900, sur PC 9801. Il y a une version PC 9801. Ça, on note. Je note. Je note comment il s'appelle le jeu? Bijojo's Court. On note. On fera la PC 98 là. Non, mais t'es sérieux? Je peux pas revenir là. Faut que je relance. Ah, ouais. Ça se spoil, oui, effectivement, ça se spoil. Ça se spoil. Bah, par contre, quand il y a les jeux de cul, maintenant, il y a des gens qui arrivent, quoi. Hein, quand je mets les jeux sérieux, c'est Sailor Moon, il n'y a personne. Ce monde est dégoûtant, quand même. Alors. Comment on s'est fait ça? Ok, donc. On va prendre la dernière. Regarde, la dernière est timide. Petite timide, on va prendre. Et à timing, il y a un doigté à avoir là. Tac! Ah, bon, comme... ah mais c'est super chaud, t'as vu comme elle est réactive la gonzesse? Genre pour te choper le truc. Ah mais t'es sérieux, c'est incompréhensible. Ah tac, il faut peut-être changer de... Faut peut-être... Ouais, il faut peut-être faire un petit coup, revenir, mettre sur l'autre. What? Attention, pas que j'y arrive, y a pas de petite culotte. C'est gris ça? C'est mauve. Allez. Ah ouais, y a vraiment un doigté à avoir. X. Ah, on était pas mal là. On était pas mal là. On était pas mal, on était pas mal. On va y arriver. Je veux voir une petite culotte. J'aurais réussi ma vie. Qu'est-ce qu'on me dit là? La cinquième en partant de la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, celle-là. Ah, parce qu'elle regarde pas, hein. Genre, elle est toute timide. Ouh, elle est pas contente. Ah, mais c'est bizarre. Je comprends pas. Bon, moi, ce que je propose... C'est une mini... Je vais me faire une mini collation. Je vais me faire couler un café, là. Donc, c'est l'histoire. C'est comme la dernière fois. C'est l'histoire de 3 minutes, hein. Alors, on va faire encore une. C'est histoire de 3 minutes, juste le temps d'aller faire couler le café. Hein. Donc, comme ça laissera le temps d'aller mettre les enfants au lit. C'est pas ça, laissera. Comme ça, après, on pourra faire le volume 2 et volume 3. Je pense que là, ça va être du lourd. Donc, je vais assurer mes arrières, tu comprends. Donc, vous allez mettre les enfants au lit. Je vais pas dans tourloupe. Ah, il faut peut-être. Ouais, qu'on soit pas remarqué. Faut que je me mette dans la peau du personnage, quoi. Faut vraiment que je me mette dans la peau du personnage. Donc, tac. Non, mais genre, j'ai fait qu'une fois, elle me voit. Je vais changer saloperie, là. Salope. Je vais prendre la rousse. Moi, j'aime bien les rousses. Je vais ticher des rousses. Chaque fois que je fais des jeux, il y a des rousses dedans. Donc, on va prendre la rousse. Mais vous, ce que vous voulez voir des fesses, hein. Je comprends bien, c'est ça, c'est les fesses que vous voulez voir. Donc, il faudrait faire la bleue. Celle-là. La punk, allez, on va faire la punk. Non, c'est pas ça, hein. Mais allez coucher, les enfants. Bonne nuit, Wendy. Que tu te fasses griller, là. Ah, j'ai essayé de lui mettre à l'envers, j'ai essayé de lui faire une feinte, tu sais, genre tu appuies que deux fois. Allez, on va faire. Non, je vais faire celle-là. Non, je vais faire celle-là. Celle-là. T'appuies deux fois, et là tu bourres.
Mais quel jeu de merde, en fait c'est un jeu troll. C'est peut-être un jeu troll, les mecs qui te font croire que tu vas avoir une petite culotte, mais que dalle. Tu vois? C'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps à dégager. Bon, messieurs, messieurs et messieurs, dames. Attends, j'ai un problème. Ah, bah c'est vrai, je trouve plus ma souris, elle était dedans. Donc, petite pause. Petite collation, parce que là on le mérite, ça fait quand même 2h30 qu'on stream. Petite collation, juste, on va se faire un petit café. On va se faire chercher un petit chocobien là et on se dit dans 2 minutes. Hein. Il est quoi, il est 23h32. Allez, à 23h, je m'engage d'être là entre 23h35 et 23h37. Hein, on va se laisser un battement de 5 minutes. Le nom du jeu. Je vais vous dire ça avant de Bishojo Skirt Mekuri Shinkai. Écoutez, c'est quoi, je vais te l'écrire sur le chat, ça sera plus facile. Voilà. Messieurs, dames, à tout de suite, je reviens dans l'espace de 3-4 minutes et on fera le volume 2 et 3, évidemment. Bisous. Attention à ce que vous parlez hein, sur le chat. Hein. Sinon, je vais devoir engager des gens pour. Comment on appelle ça? Des modérateurs. Pour vous gicler là. Hein. Bon, allez, on va faire. Je prends juste une petite. Une ou deux gorgées de café et on va se faire le volume 2. Hein. Et puis le volume 3, on le gardera pour un peu plus tard. Hein.
Parce que je vais tomber sur des trucs pas très catholiques là. Exclu, attention, ce jeu c'est une exclu mondiale de chez moi. Ça c'est introuvable ça. Jeu créé par un vieux japonais pervers, fait en 2 jours dans une cave. Ah, il faut trouver les paires de culottes. Mais on n'a même pas vu une seule culotte. Bah oui, mais on les voit pas, les culottes. Ouais, je vous mets les écolières en fond d'écran, c'est plus sympathique qu'un vieil ordinateur pourri là. Oui, mais je comprends. Alors, je dois mal faire la chose. Attends, on va regarder encore. En buvant le café, je vais mettre 1, 2. J'aime pas ces jeux là, c'est pas légit ça. Hein. C'est pas légit. 2, 3, 4. Non, t'as droit à 4 coups maximum. Oui, faut un timing. Et t'as qu'à droit à 4 coups maximum. Après, elle le prend l'éventail. 1, 2, 3, 4. C'est trop dur ces jeux pour moi là. Messieurs, dames. On va se mettre la V2. Hein. Se mettre la V2. Oh là là! Oh là là, c'est dessiné à la main tout ça! La version écolière en cravate, hein. Donc c'est la même merde. Oh. Un, deux, trois, quatre. Non, c'est pourri. Là, le timing était pourri. Un, deux. Là, c'est 5 coups que je peux mettre dans celui-là. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est vrai, c'est bizarre, hein. C'est super étrange comme jeu. Hein. Ah oui, oh oui, oh oui! On a réussi! Elle est blanche! Elle est blanche! On a réussi! Putain, j'ai réussi ma vie! Je suis la petite timide là. Ah oui! Oh oui, on a compris! On a compris le timing. Non? Ah, quoi que ça change! Celles en face, elles sont différentes. C'est. Oula! Je crois vraiment que le volume 3, on va vraiment le voir plus tard. Hein. Parce que là, on est dans la limite. Hein. Bon, tant qu'il n'y a pas de téton, ça me va. Pas de lien tendancieux, hein, monsieur Gastro. Hein. Sinon, je vais devoir m'énerver, ça va pas aller. Hein. J'arrive plus. Ah si, verte, verte. Verte. Blanche. Verte, blanche. Ah, je devrais recommencer du début, hein. Ah merde, elle va me le prendre, vite, j'arrête. Faut que j'arrête parce qu'elle va me le prendre sinon. Ah mais c'est dur quand même, hein. 1, 2, 3, 4. Ah merde, et c'est quand même dur, hein, mine de rien.
Ok, c'est rouge, je note, je prends un morceau, là, je note. Rouge. Ah, on se finit le jeu, hein. On se finit le jeu, là. Rouge, rouge et rouge, c'est bon, là, on est bon. Oh là là! Oh là 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 là! Oh là là! J'ai peur de la suite! Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, continue, bah, continue ta vie, c'est fini, le jeu il crash. Tu finis un level, le jeu il crash. Non mais vas-y, bah, non, parce qu'il faut appuyer sur push key, ok. Vas-y. Mais non mais vas-y, appuie sur push key là. Et je t'ai... Ok. C'est bon, on est encore dans le legit. On est encore dans le legit. Donc ok, on a la petite rouge là. Bon, on va refaire du début. Ah, je vais trop vite là, je vais trop vite, elle va pas être contente. Voilà. Donc là, c'est quoi? C'est bleu ou noir? Putain, Sandar, t'as tout raté. Tu vois bien en bas là, dans la barre, j'ai une petite culotte rouge. On a réussi. Mais là, j'ai pas compris, c'est bleu. Ah merde, ah, elle m'a eu. Attends, on va faire celle-là. Ok, c'est bleu. Mais celle-là, elle était bleue aussi ou elle était noire? C'est gris, hein. On a noté bleu, gris. Bleu, gris. Oh là là, le prochain jeu. Il y a peut-être la petite censure parce que là, si ça commence, à être. On est dans la limite. Putain, et le compteur de viewers s'affole. Le compteur de viewers s'affole. Elle va me le piquer là, il faut que j'arrête. Ok, vert. Bleu, vert. Bah c'est bon, c'était ça, non? Bah c'est bon, là. Ah bah voilà, David il arrive. Il sent les bonnes choses, hein. Il sent les bonnes choses, David. Il est incroyable, ce type. David, c'est l'homme. Dès qu'il y a quelque chose, tu vois, il est là. Il le sent à travers. Mon cher David, comment vas-tu? Là, on joue au vrai jeu vidéo, bordel, tu vois. Ça, c'est du jeu vidéo. C'est vrai qu'on aura passé 2 heures sur ce jeu. On aura passé 2 heures sur cette merde. Ok. On va recommencer. Bon, ça a l'air. Ok, c'est bleu noir, bleu foncé quoi. Il faut que j'arrête parce qu'on va me l'enlever. Il faut que j'arrête parce qu'on va me l'enlever. Ça devient plus dur, blanc. Et ça devient plus dur, hein. Ça devient plus dur. C'est jaune ça, hein. Et j'arrive pas à lui monter à elle. C'est fou. Hein. Ah merde. Elle veut pas celle-là, c'est dingue comme elle veut pas celle-là. Ah non, mais il y a un niveau de difficulté, ça devient plus dur là. Ça va bien, monsieur David. Ça devient plus dur. Ah là là, c'est le fail. Ah, on a encore droit à une chance. Prends la suivante. Ah, ça devient trop dur là. C'est pas de mon niveau ça. Eh oui. Bon, ça suffit. Toutes les bonnes choses ont une fin. Faut pas non plus. Hein? Donc c'était le volume 2. Le volume 3 se garde pour un peu plus tard parce que là je vous sens surexcité. Ça va pas aller. Donc on va arrêter ça. Donc il reste le volume 3. Oh!
Il y a des belles choses encore, hein. Donc qu'est-ce qu'on a, on a en cours du Sailor Moon? On va faire un autre jeu encore avant Sailor Moon, on va faire ça. Blanca in Shura no Kuni. Donc le pays des griffes de Blanca, une connerie comme ça. Non, non, les griffes, c'est Shura, les griffes. Ouais, bon, bref. Allons voir ce que ça donne. Merde, je vais filer le jeu à David, le mec il va tout torcher. Oh là là! Je finis à la à Paint. Ah d'accord, start, start ou start, on fait quoi? Bah allez, on fait start. Putain, mon nouveau jeu! C'est trop bon ça! Je peux faire des coups spéciaux, genre la boule, je peux faire la boule! Je peux pas faire la boule! Je peux sauter. C'est un bouton saut, et un bouton saut, et un bouton tapé quoi. C'est Beat'em Up Street Fighter Blanca. Oh putain, celui-là se spoil. Oh, énorme. Voilà ce qu'on attend d'un jeu vidéo Sharp X68000. C'est comme Final Fight, mais en version Street Fighter. Je vais mourir, je vais mourir. J'en ai tué 33. Je vous demande de vous arrêter. On se quand même start 2, on va voir une fois. La même chose, c'est peut-être mode normal, mode hard et tout. J'arrive où il n'y a plus de son. On est d'accord, hein, il n'y a plus de. C'est chez moi que ça déconne. Ils sont où les voix digit là qui claquaient? Bon, le concept est sympa, mais c'est un peu de la merde. On est dans la répétition de l'absolu là. Ah, t'as le même bruitage, c'est mon truc qui doit nous déconner parce que j'ai mes haut-parleurs là, il déconne de temps en temps, le son il trace. Genre je suis en genre ça part en stéréo donc j'ai plus vraiment le son quoi. Ça va être au niveau de difficulté je pense, hein. À part bourrer les touches, y'a rien à faire quoi, tu peux même pas faire de coups spéciaux. Oh, t'es sérieux, j'ai fait une boule? Comment j'ai fait la boule? Ah non, c'est un coup de boule que j'ai mis. Ok, il faut faire deux fois avant. Ok. Si j'appuie sur les deux touches, peut-être. Ah, je pars. Oui, ça c'est pas mal aussi. Je m'engage à aller à 50. J'avais fait combien? 19, c'est pas possible. Fait que 19? Ah ouais, SF2, ouais, tout à fait, ouais. C'est un des rares jeux que j'ai essayé justement quand j'ai fait tourner l'émulateur pour voir. J'ai fait tourner donc le Dracula.
J'ai fait tourner Street Fighter. C'est vrai que Street Fighter, par contre, j'avais que deux touches. Donc je pense qu'il y a un réglage à faire, hein, parce que Street Fighter avec deux touches, c'est un peu de la merde. Hein. Allez, on va se refaire une petite partie en mode classique là. Oh, je me fais poutrer. Fais-lui un coup de boule, coup de boule. Oh, de la merde. Je suis pathétique. L'Amiga, c'est la vie. Faut que je fasse tout le full set Amiga. Pour faire plaisir à Sandar. Bon, on va faire. On va pas rester là-dessus. On va dégager ça. On va se remettre un petit Sailor Moon. Hein, parce qu'il faut pas déconner quand même. Donc, Sailor Moon, Kensen Dark Kingdom. C'est le sur deux disquettes où je rêve. Sur deux disques. Donc. Donc c'est du lourd. L'Amiga, je connais pas très bien. J'ai un petit peu connu à l'époque parce que je connais quand même 2-3 personnes qui avaient l'Amiga. J'ai joué à 2-3 jeux, mais il reste 2, c'est leur Moon. C'est pas, je vais pas tout de suite tous les lancer parce que ça va être rébarbatif. J'en lance un maintenant et j'en lancerai un plus tard. Oh, attention! Petite image de synthèse là. C'est de la PlayStation. Non, low cost. Ouais, le son est pas dégueulasse. Hein. J'ai presque l'impression de voir l'animé. Configuration. Ah non, même. Waouh. Alors là, ils ont fait balèze. Configuration. Bravo les artistes. Le Japon, c'est beau quand même. Énergie Lival, bah on est au maximum peut-être. Moon, c'est quoi ça? Ah, c'est tout ça, je suis super sûr, on va prendre. Il n'y a que 3 persos cette fois-ci, 4. On va prendre. On va changer, on va prendre Vénus. Démarrons la bête. Simple pour Soda et Sandar, tu lui parles de l'Amiga, c'est bon quoi. Allez, Grish, ça c'est. Ah bah voilà, un petit beat'em all, ça fait longtemps. Ça. Un beat'em all up, moi je dis ça parce que la guerre des beat'em all et beat'em up. C'est un beat'em all up. Quoi? Mais c'est de la merde! What? Comment j'ai fait ça? Ok, touche bas et attaque. Il me fait un shin cord. Ouais, bah d'accord, ok, donc tu peux pas. Bah, je peux la taper elle ou pas? Oh, mais c'est complètement à chier ce jeu! C'est sorti officiellement ça? Qui a fait ça alors? C'est qui a fait ça? Et ça, c'est sorti en 93? T'es sorti en 93? Mais bougez là! Putain d'écureuil! Est-ce que je peux encore refaire le truc là? Attends, fais ta corde, là, chie ta corde une fois! Vite, vite! Ouais, mais le temps qu'elle chie sa corde, t'as pas le temps quoi! C'est fou ça! Ouais, bon, ok. Donc tu peux jamais le faire le truc, c'est complètement con. Ah ouais, non, d'accord. En fait, j'ai capté, tu sautes et tu traces. Oh, attention! What? Non, non, c'est pas un sprite, c'est un... C'est un... C'est Black HCS.
Mais ça doit être un truc amateur, ça, c'est pas possible. C'est vachement trop pourri. Ah, j'aurais dû... Ah, stop. On se calme. On se calme. Surtout, on se calme. Reset, parce que là, il y a un tourloupe. Il y a un tourloupe. Il me semble que j'ai quand même pris... Vénus, non? Pourquoi je me retrouve avec Moon? Chargement, chargement, pas de panique. Trace ta route. C'est ton destin. Configuration, Moon. Eh, je suis pas fou, hein. On prend Mars, on prend Mars. Je reviens dedans. Il y a marqué Mars. Je suis pas fou. Game start. Castlevania et Ajax. Ajax, c'était pas mal du tout. Konami. Et après, enfin c'est un jeu que je connais pas, après je sais pas. Mais sinon le reste c'était des portages arcade quoi. Genre Alien Syndrome et tout. Ah bah voilà, mais pourquoi avant j'avais pas l'autre grognasse? Elle chie aussi des cordes elle? Attends, elle chie des cordes? Oh là là, elle fait quoi là avec son... Oh putain, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Vous avez bien compris ce qu'elle fait. Hein. Ce n'est pas pour les enfants. Ce jeu n'est pas pour les enfants. Ce qui est marrant avec cette console, c'est que tu sais pas quand c'est amateur et quand c'est pas amateur. Et trace, je m'en fous, trace. J'aurais dû mettre énergie à fond en fait. Parce que je vais me faire poutrer. C'est vrai, la truc d'inondation était vraiment atypique. Et 117, hein, évidemment, le jeu du violeur. Énergie level peak. Aquales, oui, évidemment, standard, ouais, Aquales. Mais de toute façon, je les ai mis de côté, hein. J'ai fait un petit dossier avec les jeux que j'ai trouvé bons. De toute façon, je fais un premier, moi, je fais toujours ce que je fais, c'est que je fais un premier tri assez large. Hein, des jeux que je pense qu'ils sont pas mal, et après je refais un deuxième tri des jeux vraiment bons. Oui, mais fais de la merde, c'est bien. Non, t'es, faut pas. En fait, tu peux pas appuyer sur le bas, tu peux pas taper vers le bas. Et sinon, elle fait son attaque spéciale, c'est de la merde. Et après, tu te fais poutrer. Ok, c'est pas réussi à peu avec le pied, quoi, en fait. Voilà, c'est bon. Okay. C'est bon, j'ai trouvé comment on finit le jeu. Vas-y, tape là. Attends, là, il y a un tourloupe. Ouais, bah attends. Putain, je peux pas faire l'attaque spéciale, là. Oh putain, on peut le faire. On l'a fait. Oh là. Elle fait quoi, là? Elle fait quoi? Mais attends, t'es sérieux? Genre, elle était criblée, la gonzesse, quoi. C'est de la merde, putain, on dégage ça, c'est bon. J'ai pas le temps de m'amuser avec des conneries comme ça. Voyez ma souris, j'ai perdu ma souris. Bijou Sailor Moon, Kaizen Dark, tu dégages. Bleed Out, Sekuretsu. Pour vos plus grands plaisirs. Je vais enlever la disquette 2 parce que des fois ça fait de la merde après. Granada, ouais, ça me dit bien quelque chose, ça, Granada. Oh, Gold Kato, Cat, Gold Kato. C'est le charou. Opération Full Moon.
Hommage à Action 32, évidemment. Action 32. Action 52. Bread out. Bleep out. Bleed out. Ça sent le jeu de shoot. Hein. Ça sent le gros shoot, là. Ah oui, là, ça sent le shoot. Bread. Eh, mais ça, c'est devenu une habitude chez eux, là, de mettre de pas mettre de R. C'est normal. Ces jeux, il y a le easy, le normal et le hard. C'est fou, hein, le truc du normal, hein. Wolf Team, hein. Ouais, Wolf Team. Ah, Wolf Team. Shoot, balcon, laser. Ah oui, c'est un shoot'em up, ça. Display. Bon, on va laisser de base parce que ça va me foutre une merde pas possible après. Il fallait faire safe, peut-être? Non, c'est bon. Ah, il faut mettre des crédits. Je suis une merde, je mets 9 crédits. Ah bah voilà, là on se retrouve. Par contre, oui, ça fait quoi le SP, ST, la BR? On ne sait pas. La vitesse? Non. C'est quoi ce truc du SP? Ah, je l'ai plus. J'ai pas compris ce que c'était le SP là en bas et tout. Mais c'est encore un jeu qui te poutre ça. C'est incroyable. Mais il y a trop de trucs là. Et vous êtes fous les gars ou quoi? Avec les missiles, les boulettes. Et les mecs, faut arrêter un moment. Et il faut se calmer. C'est comme de l'opachi, mais en cause. Non, je vais pas faire continuer, je vais mettre en easy parce que c'est quand même impossible. Je suis tellement pas bon. Oh, attention à la musique, là il va falloir que je vous montre le son. J'entends ce qui se passe, ça a pas l'air dégueulasse. Et c'est moi qui suis mauvais ou c'est vraiment dur là? A savoir que je finis pas le niveau 1 de Ikaruga, hein, pour vous donner un petit peu un aperçu de ma puissance. Oh putain, je suis boss. Wow. Putain, c'est du Danma cool le bordel. Il est dégueulasse. Stop, pousse. Pousse, on met déjà un petit peu plus fort pour que j'entende le son qui a pas l'air dégueulasse. Golcato. Au pire, c'est Reka, mais sans les clous d'autant. C'est Reka en holocauste. Configuration. Là, ils l'ont bien écrit. Là, ça fait plaisir. Bon, honte à moi, mais comme ça, on essaye aussi l'autre. Je vais essayer le laser. Non, mais une vie, tu fais pas long feu, hein. C'est le laser, on va quitter, on lance. Voilà, ça poutre. Mais SP, ST, je comprends pas le truc de SP, ST, ça me fait même rien. Ah, c'est un pote ça? Ah, c'était genre. D'accord. C'est incompréhensible. Genre, le laser, j'aime pas du tout, hein. Je préfère largement l'autre truc. Hein. Genre en plus les missiles tu peux même pas les taper. Genre les missiles là tu peux pas les taper. C'est cheaté ça. Putain, et c'est vachement plus facile en facile, hein. Mais j'imagine même pas le mode hard qui doit être infaisable. On va mettre hard après pour la déconnade. Oh là, mais j'aime pas quand il y a trop de bête comme ça, c'est juste pas possible pour moi ça. Regarde-moi ça. Putain. Putain de japonais pour finir ces jeux à la con.
Regarde, ça, ça les tue même pas. Putain, t'as des bestioles, elles crachent pas. Je sais que tu n'as pas le premier niveau, hein, quand même. Putain, en plus, j'ai pas mis 10 crédits, j'avais mis 1. Oh. Ah, j'ai déjà plus de vie. Tu déconnes. Putain, le jeu de con. On a des gros sprites, non? 9. On va mettre en hard juste pour voir. Et t'enlèves le laser, c'est de la merde. Pour voir comme tu te fais violer. Non, mais il a l'air pas mal, hein. Il a travaillé, évidemment. Parce que sinon, si tu joues comme moi, comme un connard, là, même pas 10 minutes, 5 minutes, juste pour voir, c'est de la merde. Mais évidemment, ça n'a pas l'air dégueulasse du tout. Et ça, je jette pas. Ça, c'est évident. Pour les connaisseurs à nous, je crois ça. Même le son est pas dégueulasse du tout. Par contre, ça a l'air très dur. Hein. Ça a l'air quand même relativement dur. Là, j'ai mis en hard, les boulettes sont super vite. Les missiles à tête chercheuse, ils sont juste insupportables. Voilà, alors le SP, ça m'envoie un genre de... Ah d'accord, ok, ok, c'est des power-up. Mais dites-moi quelque chose, bordel. Putain, je reset, je recommence. Putain, mais dites quelque chose. C'est normal que c'est dur. C'est normal, putain, l'autre il m'envoie des power-up. Moi, je joue sans les power-up. J'ai dit, moi, on a toute la nuit, hein. Moi, si la vidéo elle va durer 6 heures, elle dure à 6 heures. Ah, y'a rien à foutre. On néglige pas les jeux vidéo. Bonsoir, Mister. Comment ça va? On néglige pas. Donc, on met des crédits à 9. Allez, je fais le gros new busy. 9 vies, 7. Ah d'accord, ok, ça fait large comme ça. On peut peut-être mettre quand même comme ça alors là en large. On va mettre une fois en large. Faut que je remette des crédits, non? Ah maintenant il me demande plus les crédits là. C'est bizarre ça. Ouais, on va y aller. Au bout d'une heure trente, c'est vrai, ça fait déjà un petit moment. À 3 heures déjà. Oh là là. Alors il faut appuyer sur ça pour que ça. Mais envoie-moi les merdes. Voilà, il m'envoie les power-up. Ah là là, c'est jamais. Et mais je suis. Putain, qu'est-ce que je suis mauvais, ça me. C'est pas normal. J'en reste bouche bée. Par contre, le large, je sais pas ce que ça a changé, mais ça a changé. Donc... T'as des power-up. Oh, j'ai raté les power-up. On va essayer d'arriver au boss quand même. Ah mais en fait je sais, voilà c'est ça que ça change. Là on voit pas tout l'écran là, quand je suis au fond là. En fait c'est de la merde en large, faut pas mettre en large, je vais pas les laisser en normal. Ah tu vois même plus ton vaisseau. Voilà, au boss là, on est très bien. Envoie-moi des power-up, voilà. Wow, c'est pas abusé ça. Je sais pas pourquoi je me suis pas fait toucher, mais c'est pas abusé ça. Je me prends la boulette perdue quoi. Je m'empale dessus. Attends, putain, franchement les missiles à tête chercheuse, c'était pas obligatoire. Ils auraient pu ne pas les mettre, quoi, franchement, sans déconner. Regarde, attends, il faut éviter les boulettes et les têtes chercheuses. Non, je suis pas d'accord. Putain, même avec 9 crédits, je peux te faire le premier boss, c'est incroyable. En mode easy. Ouais.
Je sais même pas si je le touche là en plus. Une tristesse. Regarde, putain, les missiles à tige. Je crève à cause des missiles. Tu peux pas éviter des boulettes et des missiles qui te suivent. C'est une logique. Ouais, non, mais c'est un jeu japonais, ça. Faut pas chercher, ça, c'est un jeu japonais, tu peux pas le finir. Vite, vite, les power, voilà. Je sais pas ce que ça m'a donné. Ah, c'était pas glorieux, là. Ouais, peut-être 21 jeux, mais peut-être pas, vu que j'ai déjà fait un tri. Peut-être que 10, peut-être que 20. Quoi? Hein? Parce que j'étais en easy, peut-être. Donc en easy, tu vas te faire foutre, tu fais qu'un niveau. Easy, c'est en fait, c'est pas easy, c'est démo. Je pense que c'est ça, ben... Je vais pas le jeter, je vais le garder, mais ça a l'air d'être un jeu... Alors, attends, on va voir s'il me fait monter. Alors, qu'est-ce que déjà, il y avait un Sailor... Il me reste un Sailor Moon à faire, donc celui-là, on va le garder. Il me reste pas mal de jeux, hein. Je vais vous dire combien il reste, que j'ai moi encore dessus. Donc on compte Sailor Moon avec. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, moi j'en ai. J'en ai 21 et le Sega, ben... Je pense savoir de ce que tu parles, hein. C'est un truc avec brosse dedans. Hein. Hein, parce que moi je vois que ça comme ces gars-là qui claquent sa race. Bibros, on va l'appeler Bibros. Donc là on était sur quoi? Sur Bleep Out, on va regarder Bleep Out quand même. Ah oui, j'ai oublié les culottes, c'est vrai. J'ai oublié les culottes. Non, j'ai jeté les culottes. Non, je l'ai pas jeté. Mais les culottes, on les gardera pour la fin. Allez, comme ça, au moins, je suis sûr que vous restez sur le stream. Je laisse les culottes à la fin. C'est le chantage. Si tu veux voir des culottes, tu vas jusqu'à la fin, c'est tout. 21 pile poil, ouais. Donc, Bleed, machin. Ah, le prochain, c'est Blind Spot. Blind Spot de Dolphin Game Studio. 91. Fais-toi plaisir, mon pote. Ça. Oh là là, oh là là, on va mettre le sur l'écran censure là, la petite flèche là, au cas où que je puisse taper furtivement. Hein. Oh là là, parce que les petites bunnies. Non, pas Blood Bros. Un autre truc avec des mecs avec des lunettes de soleil, ils se la pètent. Des petits cambrioleurs, voilà, c'est ça. Ben, attends, ça joue pas à la manette, ça joue au clavier. Par contre, je suis dans la merde parce que va falloir que je fasse une entourloupe au cas où s'il y a du cul là. Ça, on s'en fout. Ah, carrément des démos. Non, pas des démos, mais on va mettre game. Shibaraku, omashi kudasai. Donc, veuillez patienter, s'il vous plaît. Mouse, ah oui, parce que ça joue au bouton, hein. À la mouse. Ok, bah vas-y, j'appuie là. Ah bah j'ai les blancs. On a. C'est quoi? C'est un Cluedo? Non, pas un Cluedo, pas Cluedo. Comment ça s'appelle le jeu là avec les trucs blancs? Force 4 là, ou je sais pas quoi. Non, Force 4 c'est. Force 8. Oui, c'est bon, j'appuie là. Mouse, no button, j'appuie là. Qu'est-ce que tu me fais chier? Ah mais non, j'appuie pas vu que j'ai. Bah non, j'ai rien dit. J'appuyais pas. Oh là là, ah mais c'est oui, comment ça s'appelle ce jeu? Mais c'est... Je joue tout seul? Oh là là!
Oh là là! Oh là 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 là, j'aime pas ça. Oui, c'est bien, il faut que je perde. J'aime pas ça du tout. Je peux pas mettre de... Putain, il est trop bon l'ordinateur, ou c'est moi qui sais pas jouer à cette merde? Oh là là, oh là là! On essaye d'aller aux endroits tendancieux, mais j'arrive pas. Parce qu'on s'en fout de voir ses cheveux, c'est pas ses cheveux qu'on veut voir, nous. Les cheveux, c'est pour des romantiques, nous, on est pas romantiques, nous, on est des bourrins. Nous. Oh là là, ouais, c'est pas marrant, leur bikini. Non, mais c'est du go? C'est du go, ça? Non, le go, c'est encore un peu... C'est une variante du go, ça. Ça, c'est pas du go, ça. Ça, c'est... comment ça s'appelle? C'est un autre nom, un nom de merde, là. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais il est en train de me poutrer, l'ordinateur. Ah voilà, là on arrive aux endroits bien. Non? Ouais, mais je pense que c'est le premier niveau, bah, c'est un peu de la merde, c'est normal, hein. Je suis vraiment pas bon à cette merde, hein. Ça c'est un problème. Là je tourne qu'un jeton, c'est un peu con. On pourrait. Ah voilà, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Vas-y. Eh mais il me poutre, hein, l'ordi me poutre. Hein. L'ordi me poutre. Putain, il a tout le milieu là. Chier là. Comment je fais là pour pas avoir le milieu là? Il m'a niqué la gueule parce que je peux plus retourner ici là. La croix des Bermudes là, je peux pas la retourner là. Sumeika. Bon, l'ordi m'a poutré, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'ordi m'a poutré. Quelle tristesse. Allez, allez, là peut-être c'est ma chance. Ah non, je peux pas. Pourquoi je peux pas le mettre là? Pourquoi je peux pas mettre là? Il a trop gagné, hein. C'est fou hein, comme il a gagné. Alors, on va finir quand même, mais... Ah bah t'as gagné mon pote, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Game over, bah écoute, c'est pas un jeu pour les enfants, on va quitter ça. Non, game, tu dégages. Blind spot. C'est vrai, hein. Le Thunder, il a l'œil, hein. Il y a juste le petit pixel ici, hein. Petit coquin. Donc ça, c'était Blind Spot, ça dégage. Gueule à jouer à ces jeux, moi. Blockout Modoki. Bah oui, bah c'est... Ah ouais, mais c'est complètement con, ouais, c'est une bunny. Elle a une queue de chat. Mais où va le monde? C'est quoi ça? Oh, t'es sérieux? Attends, mais attends, laisse-moi jouer quand même. Comment? Attends, ça c'est pour accélérer, ok. Donc ça c'est pour... Ok, c'est le pavé. Et le X peut-être, ou le Z? Non? C'est où? Ah, ok, c'est le S. Le S et le D. Non? What? Ok, c'est ça. Rien qu'une lettre? Ok. C'est le D. Bon, bah de toute façon, là je suis foutu. C'est comme Tetris, mais on... c'est Tetris. Comment s'appelle ce jeu-là? Il y a un Tetris comme ça aussi. Ouais, bon, on va recommencer. Ah, d'accord, tu peux changer comme ça avec. Ok. Ok, donc il faut jouer avec le pavé directionnel. Enfin, les flèches directionnelles et le pavé numérique. Ok. On va laisser tomber normalement.
Tiens, une ligne. Hein, quoi, mais j'ai fait une ligne, là, tu déconnes. What the fuck? J'ai fait une ligne, non, on est d'accord? Non. C'est trop dur. C'est trop dur. Ah oui, il faut faire un carré entier du tout tout, mais c'est trop dur. Ils sont fous, quoi. Ah d'accord, le 5 c'est pour descendre à fond, ok. Ah bah oui, je suis foutu là, tu peux y aller. Qui va manger? C'est une heure pour manger, c'est pas une heure pour manger, voyons. À moins que tu viennes d'un pays qui ne s'appelle pas la France. Alors là. Ah oui, toi tu es québécois, non, je crois. Donc oui, bah, effectivement, c'est peut-être l'heure de manger. Bon appétit. Ah mais c'est super chiant ça comme jeu. Il faudrait faire un carré entier comme ça, mais c'est dur ça, si tu te loupes c'est foutu quoi. T'as pas le droit à l'erreur. C'est pas un peu. Vas-y tourne. Non, tourne dans l'autre sens, tu peux pas le tourner dans l'autre. Ah bah voilà, c'est foutu. Je peux le rentrer comme ça, non? Ah, c'est super dur. Hein. Ça, c'est pas pour moi de nouveau. Putain, nous, on n'est pas fait pour ces genres de jeux, putain. Ça, c'est pas des jeux pour nous. Tourne, tourne. Je peux pas le tourner dans l'autre sens. C'est fou que tu puisses pas le tourner dans tous les sens que tu veux, quand même. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi s'infliger ça? Oui, OST de OST de l'année. C'est les OST de l'année. Ah, Klax, oui, Klax, ça Klax, effectivement. Mais je connais pas sur X68000, le Klax, je connais. Je connais de sur. Je sais même pas sur quelle console j'ai connu ça, Klax. Mais je connais. C'est d'un ennuyant, hein. Ça dégage. Attention, là, du lourd. Là, on arrive dans du lourd. Ah, déjà, on va se faire le dernier Sailor Moon, comme ça s'est réglé. Ah, encore du sprite. C'est Sailor Moon Super Moon Fighter X. Donc, c'est une fusion entre Sailor Moon et Street Fighter. Hein. Sur deux disquettes, attention. On est sur deux disquettes, là. Sur lynx, sur la lynx, Driver, qu'est-ce qu'il me raconte? Pourtant, j'ai jamais joué à cette merde. Ah, ouais. Ah, on se ressent là. Option. C'est leur mode, ouais, connu. Ouais, c'est ça, quand même. Technical manuel, ça, on veut. Ok. En gros, c'est A et B, tu fermes ta gueule. Moi. Ah, c'est un mode histoire ou on va mettre normal. Ah bah voilà, c'est déjà un peu mieux foutu ça. Oh là là. Oh là là, c'est quoi cette English? Neputurne. Neputurne. Ouais, mais c'est le dernier après. Hein. C'est le dernier. Alors il y a qui? Y a Moon, Mars, Mercure, Jupiter, pas Jupiter, d'accord. Vénus. Ah oui, c'est vraiment le mec, il a retranscrit en romaji quoi. Vraiment, il s'est pas fait chier quoi. Vraiment, le mec, il se parle pas un mot d'anglais.
Uranus, Neptune, Pluton. C'est leur V. Ah, c'est leur V, elle a des lunettes comme ça. Ça doit être la saison Bill Heidi. Putain, mais je connais pas tous ces persos, moi. Je peux avoir les autres là. Chibi USA. Ou Chibi USA. Ouais, je sais pas. Bah écoute, on va prendre. Qu'est-ce qu'on a pas encore pris? Allez, on va prendre Venus. Neptuno. Ah, en plus, je joue contre Neptuno. Ah, c'est la même merde, mais au moins là, t'arrives à sortir des coups. Voilà, voilà, comme je la foutre. Est-ce que. Il y a un Shoryu ou quelque chose? Ah, et le chat, il va pas nous saouler là. Barre-toi, le chat là. Ouais, c'est le même genre de jeu à la con là. Hein. C'est Versus Fighter Makers. J'ai fait le ado là. Ouais, j'ai compris qu'on va faire ça, c'est déjà une base. Petit arc de cercle quoi. Enfin, c'est un ado avec les pieds. Non, c'est vraiment les. C'est des Mugen mais en version sharp quoi. À mon avis, il doit en avoir pléthore des jeux comme ça. Hein. D'autres licences, je sais pas, par exemple Ratma ou Okuto no Ken ou je sais pas quoi comme autre manga. Dragon Ball, ça doit en avoir un paquet aussi, j'imagine. Et le chat il m'angoisse, hein. Putain de minou là il m'angoisse, hein. C'était pas obligatoire de foutre ça, hein. Fait des coups bas, moi. Balayette. Péter les chevilles. Ça m'énerve, j'arrive pas à faire d'autres coups là que la toupie là. Oh, comme je l'ai poutré, je suis content. Première victoire face à un round quoi. Venus. Ah, c'est une musique de Sailor Moon, hein. C'est une musique de Sailor Moon. Qui ne regardait pas Sailor Moon quand il était petit? Tu regardais Sailor Moon parce que t'attendais Dragon Ball Z. Dragon Ball. Regardez, c'est le monde avant. Et Candy. Et pas de pitié pour les croissants, évidemment. Le truc de Google. Moi, je fais toujours la même chose parce que je sais rien faire. Hein. Ce jeu, j'ai déjà fait. Non, celui-là, je l'ai pas fait. Le Moon Fighter X. C'était avec l'autre chat. Jackie Show TV. Allez, j'ai pris au hasard Calaberas, je sais pas qui c'est. Ah, Calaberas, Kerberos, un truc comme ça. Ouais, bon, bref. Oh putain, la fouet. J'aime les dominatrices. Tiens. Je vais péter le fouet là. Ah, t'es sérieux, le truc là. Oh, ça c'est stylé ça. De la merde, hein. C'est de la diarrhée en barquette. Mais sors-le, hein. Sors-le ton putain de fouet là. Ben, j'ai la série, le Sailor Moon, j'ai la première série en version originale sous-titrée.
j'ai chopé dans des versions pas trop légales. Hein. Mais j'ai jamais regardé. Parce que j'ai d'autres choses à foutre. Et les animés, c'est pas trop ma tasse de thé, quoi. J'aime bien regarder un bon seinen de temps en temps, là, surtout les vieux films là avec des démons et de la coque et des putes, ça j'aime bien. Mais après tout ce qui est un peu trop shonen là, quand ça devient un peu japonais là, c'est bon, ça me met. Avec les gamines qui cuisinent et tout là, ça va quand t'as 12 ans. Ah non mais sérieux, j'ai failli, oiseau dégage, c'est bon, c'est vrai que c'est un peu de la merde les trucs versus... C'est pas ce qu'on attend là du Sharp, ce qu'on attend là c'est des vrais jeux légites. Putain là on perd du viewer là, on perd du viewer, il faut qu'on se réveille, il faut mettre des petites culottes je crois de nouveau. Parce que quand on met des petites culottes, il y a des pics. Il y a des pics à 15-20 là, bizarrement. Alors après Bloodia, attention Bloodia, 2 disquettes, bon ça c'est légit hein, parce que c'est du Broderbund, donc connu hein, ils en ont fait des jeux hein. Bon par contre la musique là est strident, c'est dégueulasse. Broderbund, Bloodia, ça sent le RPG ça, je sais pas pourquoi Bloodia ça fait RPG. Oh, putain ça fait du bruit là hein. Je suis chiant là, je sens que je fais un bruit là dégueulasse, c'est ma fermeture éclair là. Candy. What? Mais c'est de la merde! Putain, je joue ça, ça joue à la souris ou quoi? Mais c'est pas du tout un RPG apparemment. Mais c'est pas Bloodia, c'est Bloodia. Bah écoute, bah normal, on peut jouer là. Ah non, pas du tout. Mais moi je sais pas, ça faisait vachement RPG en plus de disquettes. Pourquoi 2 disquettes pour cette merde? Ça c'est les trucs avec les billes là où il faut faire passer les billes dans les... On va prendre lequel? Non, on va peut-être aller dans le début, dans le premier, on va commencer par le premier. Je suis sûr, ces trucs débiles, là, il faut bouger des cartes, genre. Mais oui, c'est ça. Attends, genre, il faut que je bouge ça quand il y a la bille qui vient. Genre, je peux mettre sur pause. Turbo. Donc, il faudrait que je fasse juste ça, là. Ah non, merde. Il y a un tourloupe. Comment je fais? Non, pause. Ah oui, d'accord, je crois que tu peux bouger le truc. D'accord. Ouais, bah oui, c'est ce que j'ai dit c'est du lourd. Broderbund, c'est Loadrunner, c'est aussi Shoplifter, c'est aussi plein de choses. Mais je crois que d'ailleurs le premier Spelunker, hein, à la base, c'est pas Broderbund, Spelunker. À la base, hein, avant que ça soit racheté par... bah d'ailleurs comme Loadrunner, avant que ce soit racheté par je sais plus qui, par IRM. Je crois, hein, je suis pas certain pour le coup. Bah vas-y, lance. Non, Broderbund c'est pas un problème, c'est du lourd. C'est Prince of Persia aussi, oui, tout à fait. Broderbund c'est du très lourd. Attends, en fait, le truc, je crois que quand la bille est dedans, je peux le faire comme ça, voilà, ok. Mais c'est pas dégueulasse ça comme genre de jeu, mais bah, aujourd'hui c'est un peu désuet quoi. Hein, je veux dire, tu joues à un jeu vidéo, tu joues pas à ça, tu joues sur ton smartphone. Là. Pour ceux qui ont des smartphones. Moi je suis encore au vieux téléphone 5 couleurs. Hein. Je reçois même pas les MMS, hein, c'est pour vous dire. Vas-y. Vas-y, fais-toi plaisir. Ah. Avec ma... Ah, la souris qui part toute seule, putain, la souris... Hein? Merde, merde. Merde, il fallait se dépêcher, il fallait faire ça. Voilà, Spelunker, c'est Broderbund alors. Et après, ça a été racheté par IRM. Et c'est pour ça qu'il y a, par exemple, un Spelunker 2 qui est sur arcade, qui est de IRM. Après, je suis pas un super connaisseur non plus de tous ces problèmes de développement de machin. Bon, attends, on va essayer de faire ça proprement.
Ah, je peux faire tout de suite deux. D'accord. Oui. En fait, c'est Brother Boone, si on peut pas leur reprocher d'avoir fait des jeux de fou, hein, quand même. Bah vas-y, lance. Hein? What, c'est nouveau ça? What the fuck? What the fuck là? Et la souris, regarde. Mais c'est injouable, putain, de souris à la con là. La prochaine fois, je vous promets, je mets une souris filière là. Parce que putain, je suis sûr, c'est l'infrarouge. Ça te fait aussi ça, Thunder? La souris, regarde, qui part tout seul comme ça. Elle part toute seule. Alors je sais pas parce que c'est une souris infrarouge. A bientôt, Fidel Gastro. Pas de bêtises, hein. T'as même pas le courage d'attendre les petites culottes, tu me déçois. On est juste des branleurs, hein, faut pas croire. Ah bah, c'est Game Over, carrément. C'est Game Over. On va faire une map difficile pour se finir. Ouais, celle-là me paraît bien, là. Ouais, ça descend tout seul, mais... Ouais, bah pareil, j'arrive pas à régler, j'ai essayé, mais j'ai souris infrarouge, je sais pas si c'était en infrarouge aussi. Je vais peut-être essayer une filière, à voir. Parce que c'est chiant, regarde, c'est... Pff, qu'est-ce que tu veux faire? C'est super chiant, quoi. Bon, ouais, mais c'est... Waouh! Waouh! Je comprends rien, là. What the fuck? What the fuck? Oh! Ah, on peut pas bouger. Ouais, mais c'est trop dur là. Hein? À bientôt. File pas la gastro à ta gonzesse. Hein. Tu restes calme. C'est qu'après avoir eu des petites culottes là, c'est dur de rester stoïque, mais quand même. Bon, on va s'enlever ça, c'est bon. Donc c'était quoi ça? Ah, déjà c'était Blodia. Ou Blodia, ça pourrait être du Brother Boone, ça dégage, je suis désolé, ça je jouerai jamais de toute façon. Attention, alors là on a du lourd. T'es aussi en infra. Ouais, mais faudrait que je voie peut-être avec une souris filière. Bon, là on a du lourd, on a Blue Waver spécial de Monsieur Simokuchi. Donc là, je peux vous dire que ça va être du lourd. Sauf que j'ai laissé Blue Dia 2, ça va déconner, ça je le sais. Je sais pas pourquoi des fois ça déconne. Alors que la disquette elle existe même plus, mais ça déconne. Non, mais montre l'écran. Vas-y. Blue Waver spécial par Monsieur Simokuchi. Simokuchi. De Actisoft. Start. Ah bah voilà, là on se retrouve. Bon, il faut nous se tuer le doigt, mais c'est pas grave. Pas grave, on se tue le doigt. Simple mais efficace, hein. C'est ce qu'on aime. Ken, t'as fini ta sieste? La musique est dégueulasse. Atomic Runner, ça c'est du lourd. Tu l'as fini en version arcade, hein. Bon, je t'avoue, j'ai jamais vraiment joué à ce jeu, mais c'est vrai que c'est pas dégueulasse. Hein. J'ai joué très très peu. Ouais, non, mais le truc qui arrive par derrière, là. Se faire attraper par derrière, c'est le truc. Ça se fait pas, quoi. Tu préviens avant, c'est un minimum.
je suis quand même au stage 2, hein. Ouais. Comme ils viennent comme des fous, là. Ouais, mais non, mais par derrière, tu préviens. Deux fois par derrière. Wow, 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 wow. Oh non, mais c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse, quoi. Ouais, mais Atomic Runner, de toute façon, c'est à la fin, hein. J'ai eu des bons jeux, non, des bons jeux. On a eu, bah, je sais pas, tu dis des shmups, tu dis des shootings, ouais, ça c'est réglé. Bah oui, attends, on va voir dans la version. Peut-être qu'il y a des autres versions, non? Ah non, bah il n'y a pas d'autres versions. Ah, j'aurais peut-être dû faire continue. On a eu des bons jeux, bah je sais pas où t'en étais arrêté dans la vidéo. Parce qu'on n'a pas eu réellement des trucs de tueurs. Il y a un petit shoot qui était sympa avant. Sinon là je me rappelle pas trop. On a aussi eu les jeux des culottes, mais je sais pas, t'étais pas là dans les jeux des culottes? Je sais plus. Allez, j'arrive au level 3. Bon, je pense que c'est un petit shoot vite fait, hein, où je pense à même pas de boss, c'est toujours la même chose, et tu tires et puis voilà, et puis c'est un peu dur chaque fois. Mais c'est possible, c'est bien réalisé quand même. C'est pas trop dégueulasse, hein. C'est pas transcendant, même. Ce serait bien sur mon 3310, hein. Côté de Snake et compagnie. Pathétique. Pathétique. Ça, sur Sharp, ils n'avaient pas encore compris le concept de l'autofire. Si tu joues un shoot, t'as le doigt explosé. Hein. Ah si, mais je suis un connard. Je suis un connard et un autofire. Oh, mais comme je suis un connard. C'est possible ça. Putain. Vas-y, qu'à chier. Ouais, bah, Sanar, il aime la musique. Lui, il est bizarre, ce type. De toute façon, lui, il adore les cuissogués, donc je me pose plus de questions. Hein. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Hein. Monsieur, il gère que par Color Dreams. Ah, mais non, mais là j'en ai marre. Je vais rage quitte, hein. Je vais rage quitte parce que me faire enculer comme ça à chaque fois, c'est bon, quoi. Je suis au stage 2. Attends, moi je m'engage à aller au moins au stage 3. C'est vrai que je. Et puis avant, on se laisse aller, là, on fait pas grand chose. On avance pas des masses. Mais le jeu en soi est tolérable. Hein. Faut être un gros trou du cul pour dire que c'est de la merde. Bon, après faut voir comment ça continue, quoi, parce qu'évidemment si tu fais que ça, ça va devenir chiant à un moment. Hein. Un petit boss.
Je pense pas qu'il y aura de boss dans ce truc là. Mais là, bon, je recommence du début chaque fois. Mais non, mais non. Je suis désolé. Space Impact sur 3310. Et ben, en plus, je suis sûr que voilà, ça se trouve ça, non, les ROM, le full set Nokia 3310. Ça peut se trouver encore. Hein. Ah mais j'ai recommencé du début, je suis vraiment, j'ai pas fait continuer. Ouais, les dernières parties, ça m'énerve. Moi je veux Bibros là, Bibros, c'est à bientôt Bibros là. Ah ouais, ça m'a bien. C'est comme Mario mais de Sega. Non, c'est comme Metal Gear mais de Sega en fait. Bibros. Passionnant. Ces petits jeux sont passionnants. Oh putain, j'en ai ras le bol. Là, je vais péter un câble, je vais péter un câble. Bordel de cul. Là, c'est moi qui m'en parle dessus là. Parce que le jeu il est super nerveux là. Après que tu touches là, tu pars. Super sensible, c'est super sensible. C'est super sensible, ça va pas ça. Allez, je peux au moins battre le high score là. C'est un minimum, allez, je m'engage à battre le high score, bordel. Allez. Déjà, je fais pas le level 3. Pas le high score. High score. Non, non, high score. Non! Ah ouais, t'as pas trouvé. Bah si toi t'as pas trouvé, personne ne trouvera quoi. Effectivement, bon après franchement, les jeux portables c'est pas ma priorité, hein. Honnêtement. Hein. C'est pas ma priorité, moi ça. Moi, allez, je vais quand même lui laisser sa chance, je vais le laisser, je vais pas le dégager, je vais pas le dégager tout de suite. Il reste combien de jeux? Putain, il reste beaucoup de jeux, hein. Quand même beaucoup de jeux, hein. On va peut-être aller un peu plus vite là, parce que on a pour 3 heures encore sinon. Blue Wind 2. Attends, alors qu'est-ce que je n'ai pas oublié? Si, il reste la skirt. Radio, Blue. Bah, Blue Swing 2, hein, sur deux disquettes. Hein. On n'est pas là pour déconner. Hein. Blue Wing 2, Blue Knight. Ça, ça sent aussi le shoot. Ça sent aussi le shooting, ça. Operation Code Winst. Ah, ça sent le shoot. Shoot them up de qualité. 1993 avec une petite musique qui claque là. Alors là, ah ouais, ah ouais, ouais. Aurait-on trouvé la perle secrète DB? What? Mais on a la part 2, mais où elle est la part 1? Serait-elle sur un micro-ordinateur inférieur?
Ah ouais, la date, c'est tout à fait trompeur, c'est vrai. Un des jeux. Tu sors un jeu de 96, tu dis le truc, il va être limite en 3D. En fait, le truc, c'est de l'Amiga. Enfin, de l'Amiga, d'Atari, je voulais dire. Excuse-moi. Excuse-moi. D'Atari, genre E.T., quoi. Mais là, c'est un bon shoot, là. Je sens que c'est un bon shoot normal mode. Ça veut dire quoi, normal mode? C'est normal mode, quoi. Ah ouais, ah ouais. Attends, pour l'Epsilon. On prend l'Epsilon. C'est une base. Ah non, mais ça, je sens que c'est de la bombe. Operation. Ah oui, regarde-moi cette beauté. Regarde-moi ça. Bon, je commence à avoir une surdose de shoot'em up là, il va falloir se calmer. Par contre, un moment. Ok. Ça change de. Ah merde, j'ai utilisé mes bonus. Ah non, attends. Ah ouais, le. Attends, comment. Non, c'est bugué là, je pense là qu'il y a un problème. Ok, ouais, d'accord. Ouais, mais je pense que. Je pense qu'il y a peut-être une configuration à faire, parce que c'est pas normal que je puisse bouger avec les joysticks et enfin, que ça bouge tout là. Sur le côté là, ça peut. Ça bouge les armes là. Je peux pas les changer comme je veux. Alors, soit il y a un truc que j'ai pas compris. Ouais, ouais, c'est. Je crois qu'il y a un réglage, il doit y avoir un réglage à faire. Il y a des petits traits là, hein. Je suis pas fou, il y a des petits traits dégueulasses. Hein. L'émulation elle déconne, c'est dommage. C'est des. Non, merde, c'est dommage, ça déconne. Eh, mais ça c'est bon ça. Vous voyez à côté là où il y a marqué laser shotgun, ça bouge. Mais c'est parce que je bouge avec le croix directionnel, mais il faut bien que je bouge pour jouer. Je pense que là il y a un réglage à faire avec le joystick hein, dans les options. On va garder cette arme parce que ça va être le bordel pour choisir les armes. Elle est pas si mal celle-là. Oh. Il est venu de faire toucher. Putain, on dirait de l'Amiga avec les wars robotiques. On aurait dit Turrican. C'est comme Turrican mais en shoot'em up. Il y a des petits traits hein, dégueulasses, hein. C'est dommage. Oh bonjour, venez chez moi. Tiens. Ouais, c'est pas con ça d'utiliser X-Spider et de régler un rapport au clavier, parce que comme il y a des jeux qui s'utilisent qu'au clavier, ça t'évite de te faire chier. Hein. Ouais, faudra peut-être que je fasse ça la prochaine fois. En plus, je l'ai X-Spider, j'utilise beaucoup. Hein. C'est vraiment pratique, c'est clair. C'est pas dégueulasse du tout, moi. On le dit, là, il y a un problème de réglage, là, parce que c'est pas normal que le truc des power-ups, ça bouge, là. Et je peux pas changer comme je veux, et je pense que la base, c'est quand même de changer un peu comme on veut, hein. Et apparemment, ouais, ouais, c'est ça, il y a des points, là, donc ça fait des upgrades. Upgrades dans les armes. Donc si je prends le laser, là, il est plus upgradé qu'avant. Ah ouais, c'est pas mal du tout, hein. Ça a l'air pas mal du tout, effectivement. Donc, t'as plusieurs armes et t'as des upgrades dans les armes. C'est comme Lucha mais en low cost. Ah, c'est bien foutu, franchement c'est pas mal. Et même la musique elle est pas dégueulasse du tout. Hein.
On va voir qui a fait ça après. Hein. Je crois que c'était OS Software, si je dis pas de ma merde. Non. Putain, je me suis fait bourrer. Hein. Là, j'ai... Voilà, et là, j'ai 3 lasers. On va peut-être essayer quand même de prendre le laser. Je sais pas si je vais y arriver. C'est bon. Je sais pas, il a l'air de tirer plus. Hein. Après, c'était quoi que j'avais, le multi à la base. Je reprends le multi. J'arrive pas. Ah si, c'est bon. Ah putain. Shield. J'ai de la vie de nouveau, voilà. J'ai pris quoi, la multi et nouveau. Ah non, j'ai pris shotgun. Vas-y, prends une fois shotgun pour voir ce que ça fait. Ah oui, c'était celui-là, shotgun. Oh, t'es sérieux? What? Pourquoi? Ah d'accord, ouais bon. Ouais, il y a des réglages. Hein. C'est comme Arrow Flash. Mais en vertical. Ah, au flash, ça claque ça, au flash. Moucha, oui, Moucha, c'est Mega Drive. Qui ne connaît pas Moucha? Game over. C'est le shoot low cost. Bonsoir, gros cam, comment ça va? On va rester sur ce bel écran de Game Over. Bon, celui-là, je vais le garder, hein, parce que celui-là, c'est pas de la merde. Ah, le premier kappa de la soirée. C'est le kappa. Donc, c'était Blue Wing. Donc, ouais, c'est ça, OS Software. J'ai presque envie de lancer les petites culottes, là. Je suis en manque de petites culottes. On va quand même le garder à la fin, parce que sinon, vous allez partir, je vais foutre les petites culottes, il n'y aura plus personne. Il reste quoi? Il reste quand même beaucoup de jeux. Hein. Putain, j'avance pas vite. Hein. Ça fait combien de temps qu'on est dessus? Il est 1h du matin. Ça fait 4 heures. Ça fait 4 heures qu'on est dessus. Ouais, je pense qu'on a encore pour 1h ou 2. Je vais pas dire. Hein. Bah, c'est parti pour Bodhidharma Mark II. 96 du TechSoft. Qu'est-ce? Allons voir. Donc, qu'est-ce que j'ai gardé? Bleed Out. Putain, j'ai gardé beaucoup de trucs. Blood, Bleed, oh, je sais même plus ce que c'était. Gold Kate. Il y a des trucs, je sais même plus. On a joué il y a 5 minutes, je sais déjà plus quoi. Dégage. Ouais. Non, je peux pas laisser ce soir. Laisser, c'est la prochaine fois. Ils sont déjà préparés, hein. Je les ai déjà préparés à laisser. Hein. Oh là là! Oh là là! Les autres là, c'est des ébéréqués, ça, je crois que ça s'appelle. Allez, les genres de statues là, rouge avec le moustache. Ah, c'est un genre de. C'est comme Pio Pio, mais en low cost. Pio Pio en low cost. Un Sarcoin, toi, vas-y. Écoute, on va pas perdre de temps parce que. Ouais, c'est un kappa. C'est le kappa. Ouais, ouais, c'est Pio Pio, mais en low cost, hein, vraiment. Hein. Ah non, c'est pas tout à fait pareil. J'ai pas trop compris là pourquoi il s'est transformé en vert. Ouais, c'est un peu. C'est un peu what the fuck quand même. Ah ouais, mais c'est un putain de pompage de Pio Pio. Mais à mort. Sauf qu'il faut comprendre le principe là, parce que c'est quoi genre.